Les faits se sont déroulés en fin d'année. Pendant que bon nombre célébraient Noël et la naissance du Christ, un fait pour le moins étrange s'est déroulé au sein du Capitole aux États-Unis. En effet, les membres du temple sataniste, qui vivent dans l'Illinois, ont installé en toute légalité un bébé démon dans la rotonde du Capitole de Springfield. Le démon a été installé aux côtés de représentations de Noël traditionnelles, en pleine fête de la Nativité. Les faits ont été relatés par le New York Post, le 19 décembre passé. Le plus étrange, c'est que les satanistes ont opéré en plein jour, sans que cela ne suscite la réaction de qui que ce soit. Rappelons que le Capitole est tout de même le bâtiment qui sert de siège au Congrès des États-Unis d'Amérique. Comme chaque année, le bâtiment du Capitole de Springfield, capitale de l'Illinois, expose ses habituelles décorations de Noël. Les communautés s'entremêlent sous la coupole du bâtiment, entre sapins de Noël, représentations de la Nativité et chandeliers de Hanouka. Parmi les œuvres de l'exposition, une place a été réservée au temple satanique, dont les membres sont conviés avec insistance depuis 3 ans, à placer une œuvre d'art représentant leur communauté. Autrement dit, les autorités de la ville ont demandé pendant plusieurs années aux satanistes de venir placer leurs démons dans le bâtiment du Capitole. Le groupe satanique déclare se considérer davantage comme une organisation militante plutôt qu'un véritable groupe religieux. Ils soutiennent les droits reproductifs des femmes, la séparation de l'Église et de l'État et d'autres questions de justice sociale. Cette année, le Satanic Temple a exposé la figure satanique de leur dieu Baphomet sous forme d'un bébé, en écho à l'enfant Jésus de la Nativité. L'organisation célèbre le Sol Invictus, une divinité solaire romaine, ce 25 décembre. Suite à ces faits, les autorités tentent de banaliser les faits en ces termes. Le temple satanique est habitué à utiliser la provocation pour arriver à ses fins. Le diable n'est pas adoré par ses membres, il est utilisé comme le symbole de l'éternel rebelle contre l'autorité arbitraire et les normes sociales. Le site web de l'organisation décrit le Sol Invictus comme une célébration de l'absence de superstition et de la cohérence dans la recherche du partage des connaissances. Erin Ulian, directrice des opérations de campagne du temple satanique, a déclaré dans un communiqué ce qui suit. La tradition de cette année marque une plus grande urgence dans le message d'harmonie et de réconciliation du dieu Baphomet. Heureusement, il y a certaines personnes qui ont tenu à réagir face à cette situation. Il est donc bien évident que pour certains, une représentation du mal n'a pas sa place dans le Capitole. L'évêque de la ville, Thomas Paprocki, a affirmé que les expositions du temple satanique ne doivent pas avoir leur place dans ce Capitole, ni dans aucun autre endroit, lors de l'installation d'une scène de la Nativité. Se moquer des millions de chrétiens de l'État de l'Illinois et des milliards de personnes dans le monde, en représentant l'enfant Jésus avec la divinité satanique Baphomet, est la définition même du mal et de la division. Mais il faut s'attendre à cela de la part d'une organisation qui existe juste pour troller les gens de la foi, a déclaré avec indignation Andrew Hansen, porte-parole du diocèse. Le temple satanique a invité l'évêque à venir tenir la main des membres du temple satanique pendant qu'ils feront leur rassemblement. Ainsi, ils se tiendront également à leur tour devant toutes les autres expositions religieuses de la rotonde. D'après le porte-parole du diocèse, l'évêque Paprocki a décliné l'invitation à s'associer au mal et exhorte toutes les personnes ayant une vraie foi religieuse à fuir le diable. Pour Lucien Grive, le cofondateur du temple satanique, le véritable message de la représentation de Baphomet est de rétablir le pluralisme. Cela ne signifie pas que les personnes ayant des points de vue opposés doivent être en conflit, insiste-t-il. La première installation du temple remonte à 2018, suivie par une autre en 2019. Leur église a pour inscription « La connaissance est le plus grand cadeau ». L'illustration sur la façade présente une représentation du bras de la première femme de la Bible, Ève, à côté d'une pomme et d'un serpent, symbole du mal et de la connaissance. Thank you.
Il reste encore un truc à faire sur cette vidéo si tu as 3 secondes. Tu peux cliquer ici et t'abonner à ma page YouTube.